Il faut que tu Vas-y, garde ça s'il y a besoin de hollandais, tu donneras. Regarde, s'il n'y a pas de l'anglais, c'est important en vrai. Beaucoup de gens parlent anglais. Alors Elisabeth, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu participes aujourd'hui au premier cercle du silence à Cluny ? Parce que depuis l'année dernière, je me suis intéressée au réseau RESF, parce qu'il y a eu plusieurs cas dans la région de Cluny, de personnes qui ont été menacées d'être conduites à la frontière, et l'une d'entre elles était mariée à français d'un village à côté, et l'autre était aussi vivait avec un français depuis longtemps et était enceinte, et ça n'a pas empêché donc les gendarmes sur ordre évidemment de venir chez eux, de perquisitionner illégalement, de les arrêter, etc. Voilà, donc pour moi c'est quand même quelque chose qui est complètement inadmissible, relié à tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, la nouvelle directive, c'est voilà, ce qu'on appelle la directive de la honte. On ne peut pas renvoyer des gens comme ça chez eux, des enfants, des membres de famille, n'importe qui. Voilà, c'est pour ça que je me suis engagée, de par mon action militante un peu RESF et dans d'autres associations dont en partie politique. Vous voulez de l'information ? Moi je m'appelle Antoine Buffet, je suis président de l'atelier de paix du Clunisois, qui est un collectif de plusieurs associations, et nous nous sommes associés à cette initiative
avec tout à fait grande détermination, parce que nous trouvons que ce qui est au fond, la valeur la plus essentielle, c'est le respect de l'homme. Et qu'il est important que, quand il y a des mesures difficiles à prendre, on le fasse dans le plus grand respect. Et nous trouvons qu'actuellement, ce respect n'est pas assuré, notamment dans les centres de rétention, notamment dans certaines autres circonstances. Donc c'est ça qui nous paraît essentiel. Nous n'allons pas dire qu'il faut supprimer toutes les expulsions, nous n'allons pas jusque-là. Nous disons qu'il faut le faire avec le plus grand respect. Voilà. Surtout, il y a un chiffre qui a été donné qui ne correspond à rien. Je ne vois pas pourquoi on décide à un moment d'expulser, c'est-à-dire de supprimer des gens qui sont en état de besoin, et sont plus quand ça vient de la part de gens qui eux-mêmes sont issus de l'immigration, et on l'est tous en France, on est tous issus de l'immigration, donc je pense qu'il y a un manque de... Il y a un certain illogisme dans la façon dont ces expulsions sont faites. Je veux dire, dès qu'on s'adresse à des enfants qui plus est sont scolarisés, je trouve que c'est incompatible, et quand j'entends des gens qui nous disent ça coûte cher, quand on sait ce que coûte une expulsion de la maréchaussée qui est mandatée pour faire ce travail, dont une majorité ne se reconnaissent pas du tout, et ça rappelle vraiment des très très mauvais souvenirs qui sont pas lointains, et qu'à ne pas bouger, tout est possible. Aujourd'hui, c'est les étrangers, demain, ce sera peut-être les artistes, pourquoi pas les Bretons.